assez intéressant parce que ça correspond tout à fait à ce que nous disait il y a quelques temps, il y a quelques mois d'ailleurs, le Conseil supérieur des programmes qui parle de promouvoir une utilisation responsable et durable du numérique en évitant les injonctions contradictoires telles qu'on a déjà pas mal entendu. Alors je suis un peu sur ça, du coup j'allais voir du côté de la recherche ce que ça donnait, et j'allais voir la belle communication de Ludovia qui évite totalement le terme de sobriété. Parce qu'en fait, l'éthique et l'éducation, on sait travailler, mais la sobriété, on se cherche. Voilà, il faudrait peut-être le considérer comme étant sous une thématique de l'éthique. Et pourtant, il y a énormément de sobriété numérique. On parle évidemment toujours de raisonnable, de numérique raisonnable, alors qu'en même temps, et on en est tous conscients ici, on est sur des consommations de planètes entières, alors qu'on vient à arriver à une véritable impasse comme celle-ci qui dirait bon bah c'est bon j'ai fini mon petit poussin, ça sert plus d'aller plus loin, ou on va essayer de prendre ça d'une autre manière et de se dire on est à un virage, un tournant civilisationnel par rapport à notre propre consommation et nos manières de faire. Et je crois qu'on est plutôt là. La preuve, de nombreuses collectivités locales, le ministère, et évidemment les chercheurs, j'en parlais avec les chercheurs présents ici à Ludovia, mais aussi vous tous, et en particulier les membres de l'ETEC, on est conscients de cette nécessité que il faut y aller sans pour autant tomber dans du greenwashing ou du cyberwashing. Je ne sais pas si le terme existe et si ce n'est pas le cas, je le dépose vite fait. Et puis, il y a des normes, on en a entendu parler, il y a évidemment la SODD, la dimension RSE, la charte de l'Institut national de l'Institut du numérique responsable présenté hier par Vincent Bourboulet. Moi, je crois consciemment qu'il faut maintenant être en conscience, être au clair sur le fait qu'on ne sera pas parfait. Et s'il y a bien une chose qui finalement nous guide actuellement, c'est notre usage en tant qu'enseignant des outils numériques. C'est-à-dire qu'on ne va pas y aller pour le numérique, mais plutôt quand c'est un véritable intérêt. Et c'est là où, finalement, on a peut-être une lueur d'espoir, parce qu'il y a cette démarche RSE, parce que, en particulier dans les tech, parce que le ministère développe tous les produits de l'accès, les ressources éducatives libres, que Ludovia, que la CNIL avec le programme R, va présenter de nombreux collègues et qu'on est en train de s'en emparer. Évidemment, tout n'est pas raison. La sobriété contre l'usage, si vous avez une appli super parfaite, et bien oui, elle va avoir du public et finalement son usage va être développé, et même si elle était peu consommatrice, elle va devenir excessivement consommatrice. Alors tout ça, finalement, est-ce que ça ne nous appelle pas juste, je mets des guillemets à juste, à volonté, un appel d'acculturation, d'automodération, qu'on partage peut-être déjà tous ici, et qui va nous amener un véritable enjeu de citoyenneté dans une société qui est évidemment numérique. Et puis, je vais passer un peu pour ma paroisse quand même, puisque c'est la raison canopée. Eh bien, il va falloir qu'on s'y mette. On va s'y mettre à différents titres, mais évidemment, on est formateur, donc on va travailler sur la formation des enseignants, à accompagner, mais à accompagner aussi dans sa pratique privée, puisque je l'ai dit, c'est finalement très important. On va le faire à différents titres, en travaillant avec la recherche, en particulier avec l'Université de Poitiers, le laboratoire Techné, sur l'idée de faire d'avoir des services numériques de formation qui soient moins consommateurs. Également avec le laboratoire Mika et Alexandra Wisniewski en parlait hier sur l'appréhension des enseignants et comment ceux-ci peuvent être accompagnés par des organismes de formation comme Réseau Canopé ou le rectorat, etc. Et d'ailleurs, à ce titre, le ministère propose un GTNUM qui va bientôt être lancé et où on espère pouvoir contribuer de notre expérience sur les EDD. On va essayer aussi, dans le cadre de notre accélérateur d'innovation pédagogique, d'accompagner les tech les plus à même et les plus volontaires dans leur démarche RSE, pour que quelque chose qui soit finalement un acte louable, une parole en l'air, ou évidemment pas en l'air, mais moins en l'air possible,